En fait, le dicton qu'on dit que le sport c'est la santé, là c'est vrai en fait. Parce que juste après les fêtes, là, même avant les fêtes de toutes les façons, j'ai un peu paressé par rapport au fait que je devais recommencer à faire du sport. Et là, je commence à ressentir un peu ce retard-là simplement parce que j'ai un peu paressé, j'étais un peu paresseux. Et là, j'ai recommencé à partir à la gym, notamment à la salle de sport. Et d'ici peu, je vais reprendre mon karaté comme d'habitude. Mais ce que je vais simplement vous dire, c'est que les amis, prenez vraiment soin de vous. Parce que si vous prenez excessivement soin de vous, vous allez mettre les chances de votre côté d'être toujours en bonne santé. Fort est de constater qu'on ne peut pas, en fait éviter certaines maladies, bien évidemment, mais c'est en pratiquant beaucoup de sport qu'on met les chances de son côté d'être beaucoup en bonne santé, en fait. Et c'est la raison pour laquelle, pour cette nouvelle année, je vous motive davantage à faire excessivement du sport. C'est-à-dire, pour ceux qui peuvent aller en salle de sport, allez-y, faites du sport régulièrement. Et pour ceux qui peuvent aller dans les salles de sport ou bien courir dans les environs de votre quartier, de votre maison, faites excessivement du sport. Parce que voyez-vous, ne pas faire du sport nous met dans toutes les chances d'avoir des maladies qu'on aurait pu éviter si seulement si on pratiquait régulièrement du sport. C'est ce que je voulais partager avec vous. Et aussi vous dire que pour la nouvelle année, pensez beaucoup à vous engager dans des projets qui vous challenge davantage, autant pour moi, et qui vous font sortir de votre zone de confort. Sur ce, on se dit à la prochaine.